La charolaise boucherie, charcuterie, traiteur uniquement emporté, 14 rue de l'Ongle à Varzy, 6-8 avenue de la République à Clumsy, porc, bœuf, veau, agneau, volaille. Toutes les viandes proviennent de fermes uniquement locales, des animaux d'exception achetés au juste prix. La charolaise, votre boucherie charcuterie de Varzy et de Clumsy, vous présente les recettes du jour. Sur Flutter FM, la recette du jour de Marie-Hélène. Flutter FM. Bonjour les copines, ça va? Bonjour. Ah oui, bonjour. Ça va, tout le monde va bien? Impeccable. Oui. Ben oui, on a la force. Ça va même d'impeccable. Ah bon, ben alors tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh ben aujourd'hui c'est Annick qui va vous donner une bonne pomme de terre au four à la pâte de noix. Alors, pour cette recette, mixez 40 g de cerneau de noix avec 80 g de sucre. 50 g de beurre, une pincée de sel et 20 g de farine jusqu'à obtenir une pâte granuleuse. Coupez les pommes de terre en deux et videz-les, puis répartissez la pâte de noix dans les cavités. Enfournez pour 40 minutes à 180 degrés. Voilà. Aussi délicieux avec des poires. Par contre, il faut réduire la cuisson de moitié. Voilà. Voilà, une recette simple. C'est tout. Bien, tout ah ben, c'est, oui. Vraiment, c'est vite fait. Hein. Donc, on ne fait pas cuire les pommes de terre avant. Non, on tu les épluches, oui, tu les laves et tu les évides. Ouais. Et quand elles sont bien évidées, tu remplis ta pomme de terre de la préparation que tu as fait. Et puis, tu peux faire ce même système-là avec des fruits. Oui, ouais. D'accord. C'est bon ça. Oui, mais ça peut accompagner ces pommes de terre cuisinées comme ça, ça peut accompagner un gibier. Oui. C'est bon avec un gibier. Oui. Oui, oui. Est-ce que... C'est bon les pommes au four, j'adore. Oui, oui moi je comprends. Mais est-ce que vous faites aussi, quand vous faites une salade de betterave rouge, est-ce que vous mettez des noix dedans? Ça m'arrive aussi. Alors quand vous faites une de la betterave rouge, tu vois, peut-être dans ton jardin, tu la fais cuire, et tu mets des noix, une pomme acide, pas une toute moyenne, pomme acide, du fromage, un oignon rouge, et tu verras comment que ta salade de betterave rouge va être bonne. Oui, c'est vrai, oui. D'accord. Le mariage pomme et betterave rouge. Oh, c'est délicieux. Mais nous, on la mange crue, les betteraves. Ah, tu peux les râper. Oui, oui, c'est bon aussi. Oui, oh, on adore. Ben, j'aime moi. J'ai goûté, mais depuis que... Moi, j'aime bien. Moi, j'ai essayé. C'est croquant. Mais je préfère, quand elle n'est pas trop cuite, qu'elle est encore un petit peu... Et là, moi, j'aime bien. Donc, fais-la comme ça et tu verras avec des pommes dedans. Il faut que je fasse aussi le velouté de betterave. Oh, le velouté de betterave. Ah oui, ça, c'est bon. Oui, ça, c'est bon, oui. Bon, on va vous souhaiter un bon appétit. Oui, bon appétit. Parce que là, on est en train de... Bon appétit et puis on se retrouve demain, la fin de notre semaine, comment cuisiner la noix. Demain, je vais vous donner une tarte à la noix. Ah, ça c'est bon. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Sur Flutter FM, c'était la recette du jour de Marie-Hélène.